Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai reçu ma nouvelle Click and Fit. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas reçue. Avec le confinement, ils ont totalement arrêté leur activité. Et du coup, quand j'ai vu qu'on pouvait recommander, j'ai commandé ma Click and Fit. Alors vous êtes nombreuses à avoir testé ce concept de box qui est une box de personal shopper qui vous permet de tester des vêtements selon vos goûts, selon un questionnaire que vous remplissez sur le site. Vous remplissez donc le questionnaire et vous allez recevoir une box qui n'est pas du tout en abonnement, c'est-à-dire que c'est vous qui choisissez quand est-ce que vous voulez la recevoir. Et cette box-là, si vous gardez tous les vêtements, vous avez moins 20% de réduction sur la totalité de la sélection. Si vous ne gardez rien, vous payez 4,90€ de frais de stylisme. Et si vous gardez une seule pièce, ben vous ne payez pas les frais de stylisme et vous payez la pièce au prix de Click and Fit. Donc c'est parti pour l'ouverture de la Click and Fit. Sachez que c'est quand même ma 20 et quelques, je crois, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est marqué dans la carte qu'ils me mettent à l'intérieur. Donc, moi, c'est une box que j'adore. J'ai fait des belles découvertes. D'ailleurs, la robe que je porte aujourd'hui vient d'une Click and Fit. Donc, pour vous dire que c'est vraiment des vêtements qui me correspondent et je suis assez rarement déçue. Donc, j'ai hâte de l'ouvrir parce que vraiment, ça fait tellement longtemps que j'ai l'impression que c'est Noël. Alors, je dois dire que le carton est assez petit et assez léger. Donc, on va voir ce que ça donne. Ce sont des pièces forcément pour le printemps et pour l'été. Donc, en général, j'aime beaucoup leur sélection. On va voir si ma personal shopper a changé. On va ouvrir ça. Il y a des trucs que je vois qui me plaisent déjà. J'ouvre ma petite enveloppe. Alors, l'équipe de Click and Fit est heureuse. La 24e box. Eh oui. Comme si ça, c'est pas de la fidélité, je m'y connais pas. Là, c'est Carole, ma styliste, cette fois-ci. Alors, je crois pas que j'ai déjà eu Carole. Donc, j'espère que elle a bien cerné mes goûts. Je ne regarde pas qu'est-ce qu'il y a donc sur la sélection parce que je vais me spoiler. Et on va tout de suite regarder à l'intérieur. Donc, vous avez la facture, le bon de retour, etc. Si je veux retourner des articles. Déjà dans un premier temps, alors ça j'aime trop, c'est un sac de la marque Pièce et regardez-moi, c'est un espèce de macramé comme ça, trop joli, j'aime trop, oh, c'est trop mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors j'ai pas du tout de sac de ce style-là et j'aime trop. Ça avec une chemise un petit peu en lin, beige crème et un jean un peu flair, je trouve que tout de suite c'est la pièce qui va apporter le truc en plus. Et franchement, il est vraiment trop mignon. Alors il n'est pas hyper profond, vous avez de quoi mettre votre portable, votre portefeuille et deux trois petites choses. Il n'est pas hyper grand, mais alors quelle originalité, j'aime trop. D'ailleurs, je cherche un joli macramé pour mettre dans la chambre d'Isalice et franchement, c'est le style, le truc que j'aime en ce moment, le côté naturel, le côté corde et tout, je trouve ça hyper mignon. Alors, j'ai gardé la petite robe que j'avais donc précédemment, qui n'est pas du tout dans la box, pour vous montrer le sac porté. Franchement, il est très mignon, j'adore le côté tressé comme ça. Et vous voyez, alors vous pouvez le remonter, je pense, on peut le porter un petit peu plus comme ça, ou plus... comme ça, moi c'est plus le style comme ça que je préférerais porter. Puis alors je trouve que vraiment ça fait été, ça fait bohème. J'aime beaucoup. J'ai hâte de voir le prix, mais franchement il est très joli, le côté cuir comme ça et puis corde, j'aime énormément. Donc voilà, je voulais vous le montrer porter. Je trouve que voilà, ça donne une meilleure idée que de montrer en caméra juste comme ça. Mais franchement très joli. Oh, c'est joli ça aussi. Oh, j'aime beaucoup, c'est de la marque Grâce et Mila. Bon, bah écoutez, souvent au printemps, été, ils sélectionnent des pièces Grâce et Mila parce qu'ils ont des tops qui sont trop mignons. Et là, on est sur un top noir avec des petits détails comme ça en transparence et c'est extrêmement joli. J'aime beaucoup. Non, franchement, et la matière, elle est top. Hein. Oh, j'aime beaucoup, c'est fluide, c'est doux et tout. Comme d'habitude... Vous l'aurez deviné, je vais essayer au fur et à mesure et je vous dirai à la fin ce que je garde ou ce que je garde pas. Le petit caraco noir. Alors c'est très bien qu'il y ait les bretelles réglables parce que je le trouve un petit peu mal réglé là. Mais autrement, il est très joli. Alors j'ai pas mis le soutien-gorge qu'il fallait pour aller avec. Mais je le trouve très mignon. Je trouve que vraiment la découpe elle est très jolie juste ici là. C'est très sympa quand on est bronzé. Ce style de petit caraco, c'est très sympa je trouve. Même à l'arrière comme ça, c'est... Non, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'en avais pas, donc ça tombe très bien. J'aime beaucoup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est joli. Oh là là, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. C'est de la marque Iku. C'est une petite blouse comme ça. Alors ça, c'est l'avant.
Et à l'arrière, vous avez un petit nœud comme ça. On est sur une petite blouse avec des manches, ça doit être des manches trois quarts, je pense, à fini comme ça avec de la dent. Mais il est trop beau. Oh, c'est super joli. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Alors pour celles qui vont me demander la référence, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent les références, là on est sur le top Iku qui s'appelle Raphaël et c'est en couleur écrue. Donc si vous voulez le trouver, voilà la référence. Et pour le top Grassemilla, Ariane. Voilà. Mais la blouse, elle est trop trop belle. Oh, j'aime trop. Oh là là, c'est trop trop choupi. Regardez-moi les détails sur le décolleté, c'est trop mignon. Bon alors ben la chemise franchement rien à dire, elle est trop trop mignonne, j'aime trop la découpe ici, je la trouve franchement trop mignonne. Après les manches c'est un peu bizarre, je pensais qu'elles allaient arriver un petit peu plus haut, mais finalement c'est pas hyper choquant. Après voyez à l'arrière comment ça se présente. Voilà, donc j'ai refait le nœud parce que ma tête ne passait pas et j'avais peur de le salir au cas où je le garde pas si ça n'allait pas au niveau de la taille. Mais franchement, il est trop joli quoi. J'adore, il est vraiment de qualité de fou. Il est doublé devant et pas derrière. Donc derrière, on peut voir un petit peu en transparence. Et là, en fait, il est doublé. Donc voilà, mais alors cette découpe-là et ces manches, oh, j'aime trop. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais j'aime trop. Oh, ça aussi, c'est trop beau. Oh, c'est quoi? C'est une robe? Oh mon Dieu, elle est trop belle. Oh, ah, c'est une robe longue Veromoda. Elle est trop belle. Ah, j'adore. Oh là là. Ah, j'adore les couleurs. J'adore le côté bleu, bleu, enfin, vert d'eau, comme ça, avec les petits détails dorés. Et elle est longue à V devant derrière. Alors, vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que j'adore les décolletés en V. Là, c'est du V devant derrière. Et c'est une robe longue comme ça. Un petit peu aspect hippie chic. Alors, ça, avec, pareil, avec le sac. Ça peut être très sympa. Franchement, j'aime trop. Et là, c'est la. Voilà, donc comme ça, celles qui voudront retrouver la même robe, bah écoutez, faites-vous plaisir parce qu'elle est trop belle. Elle me semble un peu grande, mais ça se porte assez large, donc ça ne dérange pas. Oh, elle est choupinette, hein. Ouh, j'aime trop. Alors là, Carole, là, c'est des points de marqué. Coup de cœur confirmé, je l'adore, je la trouve trop trop belle. La longueur, elle est juste parfaite quand on est en tongue. Clairement, j'aime trop. J'aime trop. Et puis le côté comme ça, un petit peu doré, blanc, vert d'eau, j'aime trop. Elle est magnifique. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Après, on peut rajouter une ceinture, je pense. Une ceinture un peu camel aussi. Franchement, ça peut le faire. Mais elle est hyper bien coupée. Elle est de la bonne longueur. Elle est hyper agréable. Elle n'est pas trop lourde. Et en même temps, elle est doublée. L'arrière est comme ça. Bon, franchement, j'ai rien à dire. J'aime trop, elle est trop trop jolie. C'est vraiment un gros coup de cœur. Mais j'aime tout dans cette sélection. C'est très dangereux cette chose-là. Et là, on est sur un petit short rouge de la marque Pièce. Alors ça, c'est mignon. C'est moins waouh que les autres, mais c'est très mignon. Sachant que ça, par exemple, avec un body à fines bretelles blanc, ça peut être canon. Franchement, je vais regarder ce qu'elle a mis sur les planches de style pour une fois. C'est vrai que d'habitude, je vous en parle pas trop, mais je vais regarder les propositions qu'elle a fait sur la planche de style. En tout cas, ce petit short-là, je trouve que ça, c'est hyper léger, très fluide pour l'été, c'est top. Avec des compensés un peu neutres, ça peut être très sympa. Alors, le petit short, bah écoutez, franchement, ça va, c'est mignon, hein. Je trouve que le rouge comme ça change, ça fait un petit peu esprit printanier, liberty un petit peu, j'aime bien, je pense que je le porterai, ouais. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte d'avoir de vos impressions parce que j'attends vraiment toujours vos impressions, mais j'aime bien, franchement, et puis il est hyper agréable à porter, il est super fluide, il est pas transparent, il est très bien taillé, il est taille haute, j'aime beaucoup, je m'attendais pas. Alors, donc la robe, elle me le met, en plus je l'ai ce sac-là. Je l'ai ce sac-là, il me l'avait déjà envoyé. Je l'ai et du coup avec des petites baskets blanches, ouais, une veste en jean, ça peut être sympa aussi. Ensuite la blouse beige, bon ça va avec tout, hein, clairement. Voilà, là la planche de style, c'est un jean flare avec une veste camel, etc. Ensuite le short, ben basket blanche et caraco noir, donc ça peut aussi aller avec celui qu'elle m'a mis dans la sélection ou avec une blouse blanche à manches longues et des
des petites sandales à talons carrés camel, pourquoi pas, effectivement. Et ensuite, le caraco noir, ben, avec une veste en... Bon, je vous montre, c'est plus simple. Donc, avec une veste en jean, un caraco noir et un jean rose. Bon, moi, je serais plutôt tentée par ce côté-là, c'est-à-dire la veste vert d'eau, le caraco noir, le jean blanc. Enfin, franchement, je serais plus tentée par ce style-là. Mais ce qui est bien, c'est que sur chaque planche, il vous propose deux styles et ben, on peut facilement trouver le sien. Donc voilà. Je vais faire les essayages. Je vous retrouve pour faire le point. Mais franchement, je pense que je vais tout garder. Je vais attendre de voir la facture avec vous, mais je pense que je vais tout garder. Alors du coup, on se retrouve dans la robe verte parce que je l'aime tellement, j'ai pas voulu la quitter. Donc on va regarder ensemble la facture. Et on va voir ce que je garde ou pas, même si j'ai une petite idée quand même. Voilà. Alors, donc, Vero Moda, la robe, elle est à 54,99 €. C'est pas donné, mais c'est quand même une robe longue de très belle qualité, avec des détails qui sont top. Il n'y a aucun fil qui dépasse. Vraiment, vraiment Vero Moda, j'adore cette marque. Je vous l'ai déjà dit, j'adore Villa, j'adore Vero Moda. En fait, j'adore toutes les marques qui me propose dans la Click and Fit. Et franchement, c'est des marques que j'ai découvertes et que je regrette vraiment pas d'avoir découvertes parce que elles sont top. Et donc du coup, cette robe-là, 55 € pour une robe longue, on est sur des prix camailleux, etc. Ensuite, le Haut-Icou Raphaël Écru, vous savez, la blouse écrue en col en V dentelle, elle est à 39 €. Ça ne m'étonne pas, ce prix-là, parce que vraiment, elle est belle. C'est-à-dire que dans les détails, etc., c'est vraiment, on voit que c'est de la qualité. Donc 39 € pour la qualité que c'est, ça ne me choque absolument pas. Donc voilà, je vous le dis, je pense que je vais garder aussi. Le sac est à 35 €, 34,99 €, voilà. Le short est à 21,99 €. Alors, pièce, c'est pas donné, mais franchement, le short me plaît bien aussi. Donc comme j'en avais pas, je pense que je vais garder aussi. Et le top Grace Emila est à 25 €. Alors, pour un débardeur, c'est vrai que c'est pas donné, je trouve, mais le fait qu'il y ait des détails, que les bretelles soient réglables, etc. Bon, ça, on va dire que ça rattrape un petit peu la chose. Alors, normalement, le montant total était de 175,97 €. Si je garde les 5 produits, j'ai 35 € de réduction. On me rembourse les frais de stylisme. Donc, si je garde tout, ça me fait 135,88 € pour 5 articles de très belle qualité. Donc, honnêtement, je vais tout garder parce que j'aime tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu la Click and Fit, donc ça rattrape. J'ai eu mon anniversaire pendant le confinement, donc je peux bien me faire un petit peu plaisir. Et franchement, la qualité étant là et toutes les pièces me plaisant, je garde absolument tout. J'ai hâte d'avoir vos commentaires, savoir si vous l'avez déjà testé, ce que vous aimez dans ma sélection, voilà, ce que vous avez reçu, si vous l'avez reçu, si vous avez testé d'autres box dans le même style et que ça vous a déçu ou si vous avez adoré. Bref, n'hésitez pas à en débattre en commentaire, à me mettre un petit like aussi si vous aimez ce style de vidéo, ça me ferait plaisir. Et voilà, donc cette vidéo est terminée, vous l'avez compris. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur ma tête qui va apparaître juste ici, voilà, dans le cercle. Et si vous voulez regarder d'autres vidéos, je vous mettrai d'autres Click and Fit pour celles qui ne connaissent pas et qui voudraient voir d'autres sélections que j'ai eues. N'hésitez pas à cliquer sur un des rectangles qui va apparaître juste là. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Bye bye!